Noël, le Père Noël commençait sa distribution de cadeaux. Il passait de maison en maison, de cheminée en cheminée. Il y avait même une étoile filante qui filait vers la lune. Certains cadeaux restèrent accrochés aux étoiles. Évidemment, le Père Noël alla les décrocher. Bon, 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 je suis le Père Noël, je décroche les cadeaux. Oh, mais qu'est-ce que c'est tous ces nuages? Ils vont me faire tomber! Oh, mais oui! Aïe! Aïe, je vais tomber sur le sol! Est-ce que quelqu'un peut me ramener un parachute au secours? Je vais tomber! Hé, hey Nico, il y a le Père Noël qui tombe, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais, c'est vrai, on va appeler les lutins! Pimpon, 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 pimpon! Viens, on va le mettre sur l'étoile. Hein. Mais ça va pas tenir. Mais si, je t'ai dit. Oh non, il est tombé. On va réessayer une fois. Oh non, il est retombé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attacher. Je te passe de la corde. Merci, et on y va. Pimpon, pimpon, pimpon. Allez, direction la maison. Viens m'aider à mettre le Père Noël dans la maison, il est super lourd. Ok, je viens t'aider, mais il faudra trouver une solution pour distribuer les cadeaux. On va vite le mettre dans le fauteuil pour qu'il se repose. Et nous, on file dans notre ambulance pour distribuer le reste des cadeaux. C'est pas facile d'être Père Noël et de lancer des cadeaux. C'est super facile de lancer des cadeaux, c'est comme le basket. Et hop de la main gauche, et hop de la main droite. Et hop de demain! Ça y est, Père Noël, on a distribué le reste des cadeaux comme t'es endormi. Joyeux Noël, Père Noël!